Bienvenue à tous et à toutes pour ce 7e débrief de The Cleaver saison 1. Ce soir, c'est le quart de finale de cette saison 1 de The Cleaver. Une candidate n'accédera malheureusement pas à la demi-finale ce soir, mais quel essai de candidate? Pour le savoir, on se connecte avec le SAS. Bonsoir les nominés. Malheureusement ce soir, une d'entre vous n'accédera pas à la demi-finale. Noran, c'est votre deuxième nomination ce soir. Vous avez su vous cacher des nominations de nombreuses fois, une grande joueuse, vous avez résolu la plupart des énigmes et vous faites partie de la seule alliance intacte juste ici, avec Willy et Sienna. Victoria, vous aussi c'est votre deuxième nomination ce soir. On vous a vu joueuse aussi et vous avez trouvé l'amour dans ce jeu avec Mathieu. Amour qui s'est compliqué cette semaine. Vous avez aussi rejoint l'alliance de Mélanie lors de la 4e semaine. Je vais donc annoncer la personne n'accédant pas à la demi-finale. Cette candidate est... Noran. Félicitations, vous êtes en demi-finale, je suis désolée pour Victoria, veuillez nous rejoindre sur le plateau. Malheureusement Victoria n'accédera pas à la demi-finale, je vous laisse regarder les pourcentages. Victoria a quitté la maison de The Cleaver. Êtes-vous prêt à accueillir Victoria? Car elle est là, attention, 3, 2, 1, accueillez-la! Victoria, déçue d'avoir quitté The Cleaver saison 1. Oui, vraiment déçue, je pense déjà à Mathieu, qui sera seul lors de cette demi. Faut qu'il s'accroche. D'accord Victoria, vous pouvez aller vous asseoir. Ce 7e débrief de The Cleaver saison 1 est donc terminé. Victoria a quitté la maison de The Cleaver après 7 semaines de jeu. Je vous laisse avec ces images et je vous dis à la prochaine pour le 8e épisode de cette saison 1 de The Cleaver. Ciao à tous!